Donc nous allons voir le setup ensemble. Alors, ça donne 449 chevaux en N400 avec un poids de 1334 kg. Donc, contre-traction sur 0. Après ça, vous voyez, mais là, ça, la voiture marche très bien, donc pas peine de mettre de contre-traction. Au niveau de la répartition des freins, 0. Hauteur de caisse, 108 à l'avant et 150 à l'arrière. Étant donné qu'il n'y a pas de problème de survirage, donc vous la mettez au niveau de la hauteur au maxi, comme ceci, et 108, voilà. Pas trop bas non plus, hein, pour éviter les problèmes d'instabilité ou de sous-virage. Voilà, donc 108 c'est parfait comme ça, là la voiture tourne très bien. Niveau de la fréquence naturelle, donc 1,80, plutôt dur, hein, pas trop souple, pour éviter l'instabilité de la caisse. Là elle tourne très bien à 1,80, donc c'est parfait. Et à 80 derrière aussi, pour éviter les problèmes de survirage. Étant donné qu'elle survire très légèrement, donc là comme ceci c'est parfait. Et une barre anti-roulis à 9 pour éviter les problèmes de sous-virage. Donc voilà, pas totalement dur, mais pratiquement, hein, pour quand même qu'elle puisse bien tourner. Et 7 à l'arrière, donc un peu moins pour éviter les problèmes de survirage éventuels. Donc là, comme ça, elle est parfaite. Au niveau de la compression, pas trop rapide, à 65 à l'avant et 65 à l'arrière. Au niveau de l'extension, donc une extension pareille à 94 et 94 à l'arrière également, donc pas trop rapide. Un angle de carrossage à 1,8 pour avoir du grip à l'avant et 3,5 à l'arrière. Ce qui concerne l'alignement, pour un petit peu de grip dans les entrées de virage, moins 0,15. Et plus 0,22 pour les entrées au virage au niveau de l'arrière pour pas qu'elle comment dire survire. Voilà, excusez-moi. Niveau du couple, donc 5 à l'avant, à l'arrière, 5 à l'arrière au niveau de l'accélération et 31 au niveau des freins. Voilà, un freinage pas trop incisif pour éviter les problèmes de survirage. Comme ça, c'est parfait. En ce qui concerne la boîte, nous allons voir la boîte ensemble pour ceux qui ne sauraient pas éventuellement faire des boîtes. Donc, vous mettez votre transmission par défaut. Une fois que ceci est fait, vous allez sur la vitesse finale. Ici, vous mettez sur 4005. Une fois que votre vitesse finale est mise à 4005, vous retournez sur la vitesse max et vous la mettez à 270. Après, la première, vous la mettez comme ceci, à 2044. La deuxième à 1518. La troisième à 1250. La quatrième à 1076. La cinquième à 0944. La sixième à 0844. La septième à 0774. Ce qui donne une vitesse de pointe à 324 km/h. Voilà. Donc on va un peu moins, mais pour l'aspi, voilà. Et vous mettez après votre vitesse finale, vous la baissez un peu, vous la mettez à 3853, voilà. Pour avoir 324. Donc une voiture plutôt sympa, j'ai bien aimé, moi, bonne voiture, voilà. Donc bah, je vous souhaite un bon réveillon, puis je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.